dans un nouveau vlog. Bon, il est 9h01. Je me suis levée il y a 10 minutes, le temps de me faire un café et d'aller faire mon du matin, toujours. Répondre à quelques petits messages. Hop là. Dont celui de Marie qui voudrait que je la renseigne. Hop là. Que je la renseigne pour du 15 steak. Je vais regarder après. Juste là, je me fais mon café. J'ouvre le vlog. Coucou Marie, si tu me regardes. Pourquoi je me lave à cette heure-là? Pour celles qui n'ont pas vu le vlog d'hier, en fait, mardi soir, le copain Jojo Houssine a dormi à la maison. Je les ai emmenés au parc hier ils ont joué tout l'après-midi dans le jardin. Pas de console, ça fait trop du bien. Ouais. À mon Jojo, de toute façon, comme je disais, là c'est l'été, fini la console. En espérant qu'il flotte pas. Donc ils ont fait leur devoir et puis au moment de partir. Aussi, il me dit si maman veut bien, est-ce que j'en ai peut dormir à la maison? Du coup, comme on ne savait pas ce que nous réservait notre cher président Alexandre, on a dit oui. Donc, du coup, j'en ai dormi chez Ossine, elle est déposée ce matin à l'école. Moi, je les récupère à 11h30 parce que dans la voiture, donc je disais à Jonah que je le récupère à 11h30. Alors, débat, elle n'a pas capté. Pourquoi 11h30? Je sais pas, parce que tu manges pas à la cantine, donc tu rentres. Puis j'ai la petite tête d'Ossine qui me fait « Moi, si je mange pas la cantine, je peux venir manger. » Donc du coup, voilà, je les récupère tous les deux à 11h30. Ce sera casse-croûte. J'ai acheté de l'arrière de poulet, il y a de la mousse, c'est tout ce qu'il faut. Donc ce sera casse-croûte. Il faudra que je fasse cuire des œufs durs par contre. Pour moi, normalement, il y en a des œufs. Est-ce qu'il y en a? Oui, j'ai juste cherché du thon pour mes casse-croûtes à moi. Du thon et du pain en bagna. Ouais. J'ai un bidon. Là je vais faire ma photo pour Insta aussi, que je fasse ma photo avec la musique, je sais pas ce que je mets comme musique. Hier soir je me suis battue avec la poste et en fait c'est juste que la poste ne veut pas envoyer de Coissimo, c'était marqué. C'est au bout de je ne sais combien de fois que j'ai réessayé, que j'ai réactualisé, moi franchement 10 fois, que j'ai vu qu'il y avait un bandeau en haut disons qu'il pouvait pas, ou c'était je sais plus trop quoi, qu'il fallait aller dans ce cas là à l'intérieur. Je vais voir si là c'est toujours pareil. J'irai directement à la poste à 11h30. Oh, et puis, j'ai commandé les bons d'achat chez Ninon. Je l'ai même fait travailler, la pauvre. Parce que je vous ai dit qu'il y aurait un bon de 20 et un bon de 15 euros à gagner. Sauf que Ninon faisait 5, 10 et 20. Et elle a recréé d'autres bons. En plus, elle a créé de nouvelles images, de nouveaux bons. Enfin, franchement, ils sont juste trop choux. Je vais aller les imprimer là. Donc du coup j'ai vos bons d'achat pour le lot pour le concours là, tirage au sort cet après-midi. Je suis fatiguée. En plus j'ai Alexandra, donc une personne qui me suit, m'a envoyé un message là pendant que je faisais mon ce matin de bonheur, je pense. J'ai pas regardé là. En me demandant, en me disant que le tuto de ce matin s'était pas mis en ligne et tout, ça c'était normal et tout. Donc moi la tête dans le cul, pas encore réveillée, pas de café fait, j'ai mis en ligne, je suis allée voir, j'ai vu qu'il était pas en ligne, j'ai mis en ligne. Et c'est une fois que j'ai mis en ligne que j'ai réagi que non, vu qu'il y avait le live aujourd'hui, je ne mettais pas de... Comment dire? Je mettais pas de vidéo aujourd'hui. Donc c'est pas grave, celle d'hier sera aujourd'hui, par contre vendredi, samedi, dimanche, vous n'aurez pas de vidéo. Vous aurez juste mon haul samedi, ou peut-être demain matin du coup. Ouais, je mettrai mon haul demain matin, ce vlog-là, il va être vendredi après-midi. Et du coup, voilà, je vais faire ça. Je vais faire ça comme ça. Je ne sais pas que je le fasse, sans que je vais le faire après. Bon voilà, allez, moi je vous fais des bisous, je vous reprends tout à l'heure, je vais finir. Mon café, mais là il est bouillant. Non, ça va. Non, je vais pas aller finir, je vais aller boire mon café et puis bah, me mettre au travail, puisque c'est pas tout mal d'avoir dormi jusqu'à 9h, mais maintenant faut se lever, faut travailler et je voudrais bien avancer dans mes tutos d'albums. Si j'arrivais à en faire deux ce matin, ce serait super nickel, sachant que tantôt j'en fais pas. Il faut que j'arrive à retrouver mon. À voir comment je vais m'organiser, je vais y arriver la semaine prochaine. Allez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à tout à l'heure.
Bon, midi 50, j'avance pas, je vous promets, je n'avance pas. J'avais plein de choses à faire et j'ai pas eu le temps. Là, je vais créer un bon d'achat sur ma boutique de 10 euros, puisque maintenant vous avez l'habitude, vous connaissez Créacier 30, qui fait gagner des bons d'achat Horizon Créatif lors de mes lives. Elle a décidé de faire gagner un bon d'achat de 10 euros sur ma boutique aujourd'hui, grâce à un mot magique. Vous aurez un mot magique à trouver. C'est sympa, voilà, elle vient de m'appeler, elle m'a envoyé les sous, du coup je fais le bon d'achat. J'ai fini de trier tout ce que j'avais à trier. Après ma chef, j'ai eu ma chef d'équipe au téléphone, ce qui fait que je vais travailler à partir de la semaine prochaine, donc le 6, du 6 au 12. Et je vous avais dit que normalement je vais travailler une semaine, la semaine à cheval, avril-mai. Et tout compte fait, en fait, je travaillerai le 24, 29, 30, normalement pour ces trois de l'Atlas, c'est normalement. La semaine prochaine, c'est sûr. Donc. Il va falloir que je vous dis, ça va être dur dur ce week-end pour tout réorganiser, mais c'est pas grave, c'est du travail, je suis contente. Et ma chef d'équipe, on l'avait parlé qu'il risquait d'avoir une personne en arrêt maladie. Donc voilà. Tout ça s'est rangé, franchement, du coup c'est toujours le bordel sur mon bureau. Et c'est une journée de pas productive du tout. Donc là, j'ai mis dans mon emploi du temps. Les vidéos, coup de chance, ces vidéos sont déjà tournées pour cette semaine-là, elles sont déjà programmées et tout, donc impeccable. Ma boutique, elle est là, je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Hein. Je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Par contre, faut juste que je retrouve là mes bons d'achat, ouvrir, faut juste que je change le code cadeau. Hop là, comme ça, je vais l'imprimer. Hop là, là. Plus gros toi. Hop là. Hop, c'est bon. Donc, hop là. Je vous jure. Alors déjà, c'est beaucoup trop grand. Enfin bref, du coup, voilà. Jonah est dehors en train de jouer avec son copain. Ils ont mangé. La police d'écriture ne me plaît pas. C'est pas top top. Voilà. Celle-là, j'aime bien. Par contre, c'est un peu grand. 14, ça devrait le faire. Ça me donne quoi? Impeccable. Et il expire du coup le 1er octobre 01 10 2021. Hop là. J'ai une nom qui me répond parce que si j'ai une personne qui. Alors, j'ai une personne qui a posé sur un groupe qui cherchait quelqu'un pour lui faire un album photo sur le thème. On m'a identifié dessus, donc j'ai dit à la personne que je me proposais qu'elle me contacte en privé. Donc là, on a discuté un petit peu. Elle voudrait un album photo jungle, mais pour un bébé. Alors, pas évident de trouver. Du coup, j'ai demandé à Ninon ce qu'elle avait. Mais elle vient de me dire Amazonia, mais. J'ai montré les Ciao Bella, moi je les aime beaucoup, j'ai très 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 envie de les scraper, donc on verra bien. Elle regarde, elle me redit. Hop là, alors elle aime beaucoup l'album Little Boy, donc apparemment je reprendrai le Little Boy mais avec un autre papier. Donc voilà, donc ça c'est fait, hop là c'est enregistré, je vais imprimer le bon d'achat. Boutique. Je vous ai déjà imprimé du coup la document. Hop là. Je vous ai imprimé ceux de chez Ninon que j'ai acheté du coup hier. Je sais plus si je vous ai dit, du coup j'ai fait refaire tout. Hop là, imprimé. J'avance pas, j'avance pas. Mais je vous le dis, j'avance pas. Ce sera pas une journée très très productive. Hein. Là, vous allez vous faire chier devant ce live, devant ce vlog. Mais pas possible. Faut que je rentre ça en boutique aussi. Du coup, c'est des étiquettes craft. Là, je rentre. Alors pour moi, il n'y en a que un lot de
fuchsia, je vais rentrer un lot de style. Ici, c'est pareil, je vais les mettre tout de suite en édition limitée. J'en referai en papier, mais pour moi, c'est que calque. Je verrai ce week-end pour en refaire. Enfin, voilà, ça, ce sont les petites étiquettes qu'il faut que je rentre en boutique que j'ai eu le temps de faire. Hop là. Hop. Imprimé. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, je rentre tout en boutique. Il est déjà presque une heure. Dans un quart d'heure, c'est l'heure de l'école. Ah oui. J'ai passé beaucoup de temps au téléphone, du coup, en tout dans la matinée, j'ai dû passer une heure et demie au téléphone, si c'est pas plus. J'ai expédié ma commande, donc du coup, je suis allée à la poste pour expédier donc la structure d'album. Donc ça y est, c'est pareil sur la boutique, j'ai mis que c'était parti, étiquette. Donc voilà, quoi d'autre? Bah, j'avance, hein, doucement, mais sûrement. Oui, 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 je vous le promets. Hop là, alors... selon quantité, donc j'ai dit hop là que j'avais un fuchsia, hop là, un lot, mince, un lot fuchsia 0,50. Fuchsia, il y en aura d'autres à venir. Faut juste que je refasse des étiquettes parce que de toute façon je vais pas en avoir assez. Et style aussi. Si je mets style. Le style 0,50. Je vais faire des photos après pour mettre dessus. Enregistrer. Je vais prendre mon téléphone pour faire des photos. Alors, hop. Je cherche mon application. La photo. Non. Je vais d'abord faire la photo. Hop. Mais je pense que ça va pas. Non, ça va pas bien donner. Ça va gêner le plastique. Oh 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 non, j'aime pas, je vais le faire directement comme ça. Bref, moi je vous reprends un peu plus tard, je vais faire ça, mettre les autres en boutique et puis je vous reprends après. Coucou, bon, super, le live c'est super bien passé, il est 5h moins de quart, je viens de remonter de l'école. Les gagnantes sont, alors, Cathy Ferrier pour le bon, Cathy F, pardon, pour le bon de 20€, Déborah C pour le bon de 15€, elle m'a déjà envoyé ses coordonnées, et pour la petite surprise, donc le bon de 10€ sur ma propre boutique, c'est Emma Lacon qui l'a gagné. Je viens de remettre des petites étiquettes comme ça, donc nouvelle couleur. Bleu style, jaune pâle, alors jaune pâle pour le moment il n'y en a que un, mais il y en a d'autres qui vont arriver, et fuchsia il y en a deux aussi, et deux comme ça. Donc ça ce sont les nouvelles couleurs. J'ai d'autres qui sont en train de poser, je vais les découper ce soir, ça va arriver après en boutique. Pareil, ce seront des éditions limitées, oui oui oui, donc voilà. Je suis contente, j'ai plutôt bien travaillé. J'ai encore mon vlog vient de finir tout juste là. Je vais le mettre à s'enregistrer, après je le mettrai sur YouTube et après je ferai mon haul Horizon Créatif pour demain matin. Oui, et regardez ce que j'ai. Vous croyez que c'est exagéré si je reprends encore un bain ce soir au lieu d'une douche? À votre avis? À votre avis? Il paraît que trop de bain c'est pas bon pour la peau. Ce soir de suite, pas top top. Je vais voir. J'ai même pas senti. Je vais sentir. Attendez. Oui, puisqu'on a ouvert du coup, j'ai ouvert en live les dernières participations au niveau du concours. Et du coup, vous étiez 51 à avoir participé. C'est juste que du bonheur. Et pour les 6... De toute façon, bon. Et pour les 6K, on refera un petit quelque chose avec un bon à gagner sur la boutique de Ninon. Promis, promis, promis. Parce qu'il y en a plein qui n'ont pas pu participer du coup. Parce qu'ils sont arrivés entre deux. Donc
je vous ferai un petit quelque chose, c'est promis. Allez, moi je vais remettre Grey's Anatomy, finir, mettre enregistrer le vlog, continuer un peu tout ce que j'ai à continuer, puis je vous reprends plus tard. Hello, coucou, c'est moi. Ouais, il est 8h20, on a fini de manger, je vais aller à la douche et après je vais aller dans mon lit. Je veux qu'on regarde Le Monde de Narnia 2, puisqu'on a regardé le 1 la semaine dernière. Donc du coup, je vais pas travailler ce soir, je vais aller mettre dans le fond de mon lit en même temps. Je vous dirais que ça n'a pas été la journée que je voulais, hein. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, après l'école, le copain Jana est venu jouer à la maison. Et du coup, ça s'est fini à ce que demain midi, c'est Sandra qui récupère les deux monstres et du coup qui les fait manger. Donc du coup demain matin je vais aller avec mon amie Julie donc à Star Livre. Elle veut revendre ses livres. Moi je vais peut-être en déposer certains. Ils reprennent énormément les livres de poche. Donc je vais pouvoir en déposer quelques-uns sûrement. Et après quand je range, je mettrai au travail. Je vais essayer d'avancer un maximum dans l'album photo relax. Là j'ai mon vlog qui est déjà en ligne depuis une demi-heure. Mon Ninon vient de se fermer, donc je vais mettre à charger sur YouTube tout de suite maintenant. Là, de façon à ce que je puisse vous le programmer pour demain matin. Et moi je vais reprendre mon livre. J'aime bien. J'aime de mieux en mieux. J'aime de mieux en mieux. Ouais, il se passe des petites choses. Les vampires sont un peu spéciaux parce qu'apparemment ils voient la lumière du jour. C'est une espèce de petit. En plus, ils sont en guerre. Enfin, c'est un truc de dingue. C'est un univers complètement loufoque, on va dire. Là, les vampires, il y a deux clans en fait. En fait, les vampires, ils vivent de façon harem. Et il y a 149 ans, il y a eu la reine qui est tombée enceinte, mais elle avait deux rois. Donc en fait ils se battent pour savoir lequel est le père du fils. Sauf que comme les vampires, parce qu'apparemment ils naissent vampires, ne sont pas très fertiles, les naissances sont rares, ils ne se battent pas en combat à mort ou en bataille, en quoi que ce soit. En fait c'est une sorte de monopoly qu'ils font. Donc tous les jours ils doivent tirer au sort et en fait ils ont, donc c'est sur la ville Bluff City, je crois que c'est un truc comme ça. Et en fait il y a au lieu d'avoir des noms de quartiers, c'est des couleurs, donc il y a red, mauve, enfin bref. Et là elle vient de se rendre compte, parce que du coup l'une des secrétaires de l'agence où elle est censée travailler, c'est que des vampires, il a expliqué un petit peu. Et en fait donc là il y a eu le tirage au sort, c'est un truc de dingue je vous jure, mais franchement je commence à bien apprécier. Et comment dire, le truc c'est que en fait donc il y a un tirage de dés, l'un des deux rois, un jour sur deux c'est un des deux rois qui tire et qui tire les dés. Et donc là c'était un 7, donc en fait ça choisit une couleur de quartier. Et de là en fait le but est faut que le premier arrive à avoir toute la, enfin un monopoly quoi. Voilà, c'est celui qui va acheter le plus de maisons, d'entreprises, de tout ce que vous voulez bien. C'est un monopoly qu'ils se font, enfin c'est un truc de dingue. En plus elle a découvert par inadvertance que c'était des vampires. Du coup il a fait un pacte de sang, donc il l'a mordu et il a fait boire du sang. Sauf que du coup pendant 3 jours ils sont très très attirés l'un par l'autre. Sauf que déjà lui il était très attiré par elle, parce que en même temps ça pourrait être un des fils, c'est le fils, c'est le fameux fils. Elle l'envoie chier quand même, qu'en fait elle s'en meut quoi, dès le départ quoi. Et du coup il y a quand même un truc qui fait que même avant qu'il y ait cette attirance extrême entre eux, il y avait quand même un truc, puisque devant lui elle s'est fait draguer par un mec, le mec il a noté le numéro de téléphone sur le bras, et elle s'est rendu compte après que quand il l'a retenu, parce qu'elle avait failli faire je sais plus trop quoi, il l'avait effacé. Donc il y avait déjà un côté possessif envers elle. Mais là, enfin voilà, je vous ai raconté de petites choses là, désolée, mais franchement, enfin c'est un truc, c'est une histoire de dingue carrément, franchement, un monopoly quoi. Et enfin, j'appelle pas ça un monopoly, j'appelle ça un ingénius. Donc voilà, ça fait 149 ans que c'est comme ça. En fait, la ville a été créée pour ça. C'est un truc de dingue. Je vous jure, c'est un truc de dingue. Mais je me prends l'histoire, je me prends mon jeu, et voilà. Bref. Je vais continuer là, je vais voir ce que ça va donner. J'ai beaucoup de découpage à faire. Ouais, quand je dis j'ai pas beaucoup travaillé, j'ai quand même pas mal travaillé. Donc en version jaune, il faut que je l'efface. Mais je ferai peut-être pas aujourd'hui, je pense que je ferai demain soir.
Hop là. En fait, le but étant, il va falloir que je vérifie quand même, mais le but étant d'en avoir au moins 3 de chaque de dispo en boutique pour cette semaine de travail. Parce que franchement, pour vous donner une petite idée de la façon dont vous avez aimé ces étiquettes, et je vous dis, je vais les décliner, hein, il y en aura d'autres, j'ai pas eu le temps de sortir les prochaines. Vous êtes déjà, parce que j'ai noté quand même pour voir un petit peu, vous êtes déjà plus d'une trentaine, j'ai vendu déjà plus d'une trentaine de lots. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste un truc de dingue. Donc voilà. Donc tout ce qui est les jaunes et les styles seront en édition limitée. Je les ai pas encore mis en boutique. Enfin, je les ai mis, mais ils sont pas encore en ligne parce que j'ai pas les photos, donc je verrai ça demain. Et un truc de dingue. Franchement, un truc de dingue. Bref, je suis contente. Donc du coup, voilà, donc là, ça va être douche, ça va être... mon bureau est presque rangé. J'ai réussi à ranger un petit peu tout ce qu'on a ouvert dans le live. Je vous le remettrai petit ici. Et... Horizon créatif, il est là. Et puis voilà, demain, il faut que je fasse une miniature de l'album Show and Flowers aussi pour pouvoir vous programmer. La vidéo est déjà sur YouTube. Il faut que j'arrive à vous faire aussi une vidéo, une autre vidéo. Ouais, il faut que je programme ma semaine de retour de Coty. Ça se trouve, vous n'aurez peut-être pas beaucoup de vidéos, vous aurez peut-être pas des vidéos tous les jours. Hein. Hop là. Ça ne pourra pas vous faire de mal. Je vais bien voir si y a que 3 vidéos dans la semaine, il n'y aura que 3 vidéos, c'est pas non plus meurdum parce que vous n'en avez pas. Il y aura toujours quand même les vlogs aussi en plus. Donc voilà, c'est pas comme si vous n'avez rien à regarder. Il y en a encore plein, plein, plein. Oui. Moi, je vais voir peut-être que dans ma semaine, justement, je vais pas travailler, je n'aurai pas de vidéo, je vais quand même scraper. Je finis à 17h, donc je scraperai peut-être un petit peu, tout dépend des commandes. Je pense attaquer quand même un album photo. À voir. Hop là. À voir. Je sais pas, je me tâte. Sachant que ma cliente, je vous l'ai dit, par rapport à l'album photo With Cluck, m'a dit qu'elle me verserait l'acompte la semaine prochaine, donc à voir, peut-être que j'attaquerai directement lui. Mais du coup, je le ferai pas en tuto. Je le ferai pas en tuto, je pense pas. Je pense que je vais peut-être l'attaquer comme ça, je vais prendre de l'avance. À voir. Elle m'a dit qu'elle verserait un acompte, donc j'y fais confiance. J'y fais confiance. Donc voilà. J'essaie de mettre mon haut l'a chargé. Et après, il faut aussi que je finisse la déco de la structure d'album du. Ouais, demain, il faut que je travaille sur le relax. À tout prix. Tu veux bien me mettre vidéo? Ok. Non, c'est une miniature. Je suis perdue, je suis perdue, je suis perdue. Voilà, donc moi je fais ça, je vais mettre en pyjama, me laver quand même un petit peu, pour que ça sente bon. Paraît que c'est important que ça sente bon, que ce soit tout propre. Et après, je vais me mettre au fond de mon lit avec mon Jojo, mon livre, et puis Tigrou, il a repris Tigrou, ça fait longtemps, je crois qu'il avait pris Tigrou. Et là, il a repris Tigrou, il joue avec son émo de compagnie, il l'a mis dans son cou, enfin bref. Donc, on va aller faire dodo avec Tigrou. Et j'ai quand même 2-3 trucs sur mon lit. Quand même, que je débarrasse. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Pas énorme, énorme, pas grand-chose. Mais bon, c'est déjà bien là. Allez, moi je fais plein, plein, plein de gros bisous. Je vous souhaite une très, très bonne soirée et on se retrouve bientôt pour un nouveau vlog.